Et bonjour à tous, on se retrouve tout au sommet de Astera, au niveau, enfin pas du tout au sommet d'ailleurs, au niveau de la cuisine, on a le ventre plein et on va se rendre dans la forêt ancienne comme c'est indiqué en haut à droite, jusque là j'invente pas grand chose. Et on s'y rend tout simplement parce que la quête précédente nous a expliqué que les anciens Wyveriens avaient a priori le plus d'informations sur le trajet du Zora Magdaros, son histoire, son évolution, tout ça. Et du coup, mais pour en savoir plus, on va essayer de trouver un ancien Wyverien pour qu'il nous renseigne. Parce que nous, à l'heure actuelle, on ne sait pas plus que... Alors, on peut faire demi-tour, ça, je ne savais pas. Parce qu'avant de précipiter, tant qu'à faire, on va repasser par la case bleue. Hein. Et donc, on va voir si cet ancien Wyverien, il n'y a rien, puisque c'est une expédition, bien, a des informations ou non. Je ne sais pas si on va se faire agresser ou pas. Si c'est le cas, je ne sais pas encore ce que je ferai. On verra bien si je rush vraiment pour voir ce qu'a à nous dire ce Wyverien ou si je cherche un petit peu plus en détail. Alors, c'est pas grave, on va aller faire le champignon déjà. Donc trouver un ancien. C'est bien beau, mais encore, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce que j'ai une piste? Est-ce que j'ai un élément de quelque chose quelque part? En tout cas, de toute évidence, il y a des monstres dans le coin. Étonnant. Étonnant, étonnant. Allez, on va escalader un petit peu. Je viens pas d'entendre un cri par là. Oh. Coucou, Lanjanas. Toi que j'ai affronté tant de fois avant de pouvoir te record. Ah là là. Et que du coup, j'ai quand même pas pu record totalement, mais bon, ça c'est autre chose. Ne revenons pas sur ce passé douloureux. On va plutôt essayer de se consacrer à la mission actuelle. Est-ce que j'ai des pistes de quelque chose quelque part ou est-ce que... Non, la mission c'est juste vas-y, tu te démerdes. On n'est pas là pour t'aider après tout. Bon, j'ai la musique à fond mais... Elle n'est pas bien forte. Écaille. Je suppose qu'il va y avoir du Ratian, du Ratalos, quelque chose comme ça dans le coin. Je suppose. Je sais pas du tout où je vais, je sais pas trop. Ils doivent être quelque part par ici. Bah disons qu'on est au sommet de la carte a priori. Donc bon. J'ai plus trop d'idées où chercher après. Ah, cinématique. La piste semble s'arrêter ici. Quand tout le monde s'enfuit, c'est rarement bon signe. Eh bien tiens, il y avait des écailles. Ration, Ratalos, je sais pas. Ratalos, voilà. Comme quoi, je dis pas que des bêtises. Il a l'air quand même vachement serein mon personnage. C'est à moitié fait bouffer par un dragon, qui ressemble beaucoup. Mais non, ça va. Ça passe. J'ai vu le pire quoi. Regarde. Ben tiens. Trouvé. Ben tiens, ben tiens.
tu souhaites savoir où se trouve le dragon semblable à une montagne de feu? Je détiens la vérité. Mais tu n'es pas encore digne de la connaître. Pour cela, il faut se tenir au sommet de la chaîne alimentaire. Maintiens, chasser un Rathalos. Viens à bout de la wyverne de feu et de la wyverne à cornes qui se sont battues sur la forêt et le désert. Alors seulement, je saurai que tu es digne de ce que tu cherches. Alors du coup, dans le désert, j'hésite. À cornes, je pense au Diablos, mais... Le sommet de la chaîne alimentaire? Des wyvernes de feu et à cornes? J'imagine qu'il faut chasser ces deux monstres. Bien il oui. S'agit sûrement du Rathalos et du Diablos. Le Diablos, ouais. On rentre au QG pour se préparer? Pourquoi on rentre au QG? On va le défoncer, oui. Allez hop, on n'est pas venu là pour eux, hein. On y va, on traîne pas. Enfin, je me suis peut-être emballé, je suis retourné à ce point de passage, oui, ça va, il est pas loin. Enfin, on y va, si vraiment il me tabasse trop la gueule, on verra, mais pour le moment, ça passe. Même lui s'en va. Même le grand Jagras, qui autrefois était mon ennemi, s'en va. Par contre, il est parti où le plus j'étais à côté, mais... S'il se barre à chaque fois que je m'approche, ça va durer longtemps. Hein. Alors, on va essayer de le rattraper. Avec un peu de chance, il va croiser l'Anjanas. Et ils vont se battre. Avec un peu de chance. Ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas aujourd'hui. Taïo. Bim. Histoire de bien commencer le combat. Bim. Histoire de bien ouvrir ma gueule. Allez, bonus 2, c'est un bon début. Ah parce que jusqu'à maintenant je n'étais pas en combat ça. Jusqu'à maintenant les navisoles étaient verts. Alors tout va bien. Non pas la queue. Pour moi surtout là dans ma gueule. Alors un antidote. Ah, je vois cache-cache. J'ai eu chaud, mais je sais chaud, de chez chaud. J'ai du ragard. Heureusement que j'ai deux chats avec moi. Non, pas ça. Non, c'est faux. Non, c'est bon. J'ai eu peur de l'avoir déclenché un peu trop tôt. Ah, nickel, empoisonné. Bim, triple buff. Oh, je suis limite, ça peut être bon ça. Oh, mais il met des trucs de fou là, ce monstre. J'ai bien fait d'aller voir en premier. Ah non, vraiment, je suis dans l'envie de vous.
feu aussi. Bon, faut que t'avances dans les pièges, quoi. Ça c'était pas du tout volontaire, cette espèce de saut. Oui. Ah, ça y est. Là, on en profite, là, on DPS. Sauf si on se fait son combo. Et si on ricoche aussi. J'hésite vraiment à passer sur une arme où j'aurais moins de soucis de. Une arme plus tranchante. À jouer, surtout que je maîtrise toujours pas celle-là, mais bon, ça peut être drôle aussi. Alors, Vita Gap, s'il te plaît, celle-là, j'ai retenu son spot à force. Voilà. Aiguison, aiguison. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le noyau rouge que j'ai laissé tomber. Ouais. Que de l'eau, ça serait mieux, peut-être mousse aquatique sur un truc qui est plutôt type feu. Sur le plan, ça, ça paraît pas mal. Après, on verra si le plan est bon ou pas. Alors, là-bas, 49. Allons-y. Pas monter à d'autres félines pour aller plus vite, non? Ça pourrait être sympa. Hein. Hop là, passe à l'étage. Non, pas cet étage là. Laisse-moi descendre, mais pas autant. Ça vole, mais c'est pas assez gros. Les besoins, on est au max. Tchouf! De nouveau tout en haut. Ouais, ça tape un petit peu plus les mousses. Allez, go! On le tape! Ok, il est pas content. Ça se comprend. J'aurais pu prévenir avant d'arriver chez lui. Allez, t'as pas de savoir descendre par contre. Sinon, je pète un cap. Reviens Léon. Yes, pleine poire. Tiens. Tiens. Je pense que j'aurais dû me laisser dans l'eau là-bas. Peut-être de sauter dessus. Non mais du coup il va falloir redescendre. Alors moi je viens à peine d'arriver en haut. On est mort. Il est où le monstre? Oui, alors je vais peut-être lâcher un petit peu tout ça. Ah, ça fait déjà terre. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il ait quand même pris une belle chute dans la croix. La preuve en est qu'il se relève pas de fuite. On peut se comprendre que la gamelle vient de manger. Dommage que mon arme commence déjà à ricocher. Oh, je l'ai vexé, il s'en va. Aiguisoire. Je savais pas du coup qu'on pouvait faire sauter cette espèce de barrage, mais c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Bon, j'espère que je vais pas mettre autant de temps pour le retrouver. Apparemment, il est juste remonté d'une falaise. Non, oui, j'avais cru voir un champignon, je suis pas fou. J'ai cru voir un champignon. Et 9. Une fois.
Ok. Ok. Ok, t'es pas content, mais non, si tu peux me laisser bouger un truc, hein. Tout petit peu. C'est cool. Non, mais là, franchement, c'est l'anti-jeu à ce niveau-là. Je décrète que c'est l'anti-jeu. On va peut-être dû boire ma potion tranquillement, moi. Je vais être un nounou. Ça devrait être un bonus 1, ça, quand même. Quand tu veux que tu te poses, l'ami. Voilà. On va mettre dans la porte, tant qu'à faire. Comme ça, on va peut-être casser quelques portes par ce temps-là. On est détruit. Ça, c'est bon. Ça, c'est moins bon, la boule de feu dans les fesses. Partie détruite, bim, la queue en moins. Il va pas être content, là, quand même. Il connaît pas trop en queue, mais... ça va faire mal. Boum, boum, boum. Avec le flash du maître chat, là, j'ai bien fait d'aller... Maître chat. J'ai bien fait d'aller chercher, là. C'est mon nouveau copain. Oh, pas autant que Milka, hein. Milka reste mon préféré, évidemment. Mais, avec les cages de fumée, c'est quand même pas dégueulasse. Il va vraiment falloir que j'aiguise mon arme, la moitié de mes cours bondissent. Faut jouer à cache-cache, on l'a pas vu. Se mettre ici, comme ça, s'il me fonce dedans pendant que j'aiguise, il foncera pas longtemps. Bon. S'il bouge pas, moi je ramasse. Ah non! Il est sérieux là, il a frôlé le piège et il s'est barré, genre. Allez, je te troll, je me casse. Alors, donde vamos? Champignon, on est au max. Litchi là, hop. Pas autant qu'il se pose parce que bon, il va en zone 10. Et ben allons en zone 10. N'attendons pas plus. Non, bah si c'est pour que je fasse encore 3 fois le tour de la map comme tout à l'heure. Hein, on va éviter. Heureusement que je suis sous chenille litchi là, ça me permet de sprinter tranquillement. Coucou le Ratalos, je viens pour te tuer. On suit une graine force par là, je crois. On va prendre celle-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a vers moi? Oui. On va descendre dans quelque part, quelqu'un peut endormir. J'ai peur de voir ce que vous avez dit. 1, 2, 3... Un peu plus par là, du coup. Yes, c'est une balle. Encore un peu plus fort que la porte. C'était mal. Elle a maintenant qu'il est dessus, c'est moi qui le suis. Toi vers moi. Toi tu vas t'en prendre plein de nuit. Tu n'as pas du tout de pile, c'est pas grave, on le défonce. Je suis bluffé comme jamais.
Oh, le piège électrochoc, est-ce que j'ai des trucs qui sont fatigués comme il est, donc je peux même le capturer. Non, pas encore. Non, on est bloqué. Parce que c'est pas moi qui ai posé le piège, je sais pas. Wouhou! Heureusement qu'il y a plus que mon ami. Allez hop, rodeo! Ça marche aussi. Ah non, par contre toi tu t'enfuis pas, t'as pas le droit. Non, t'es relou là. Alors où va-t-il? Moi j'attends qu'il s'arrête parce que sinon j'ai encore le courir après. Là, ça y est, il est posé. Vamos. Je suppose qu'il est retourné au sommet. De toute façon, généralement c'est gros monstres, c'est là-bas qu'ils se rendent pour leur dernier souffle. Et c'est là que j'aurais dû le garder, mais... Est-ce que j'ai des pièges? Oui, bon, mais j'ai encore des tranquillisants, j'ai encore des pièges, ça va le faire. Allez, on monte, on monte, on monte, 65, on y croit. Ça se voit quand on est plus sous chenille, bizarre. On traîne un peu plus la patte. Faut pas se mentir. On va pas se mentir. Allez, sprint. Plus que 20 mètres. Tant qu'à faire, on ramasse une jolie petite fleur avant de rentrer chez les gens. Bon, ce coup-ci, il pourra pas s'emporter par le torrent d'eau. A priori, c'est plutôt bon pour nous. On va le piéger tant qu'à faire, comme ça on va se faire des compos. Retour des diablos maintenant. Je vais m'occuper des préparatifs de la quête. Ah mais ça y est, il n'y avait même pas besoin de le... Okay. Retourner à Astera pour faire le diablos. C'est señor, le diablos. Alors, on va retourner au camp, on va lui dire c'est bon, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Oui, j'ai honte d'avoir chanté ça, j'assume. Pas trop. Alors, retourner au QG, mettre fin à l'expédition, fin de l'expédition, simplement. Retour au QG. Alors, carapace, palmure, poche de flamme, palmure, poche de flamme, écaille, écaille, carapace, carapace, mouelle. C'est bon ça, plus un os ancien, grâce au palico. On est content. Le niveau de recherche a augmenté. Eh bien tant mieux, écoute. Amitié chasseur de monstres niveau 2. Vie augmentée. Une nouvelle cinématique a été ajoutée. Tant mieux, bah c'est avec les cinématiques maintenant que je fais les miniatures. Prochaine cible, le d'où Diablos. Les nouvelles. Oui, alors prochaine cible, le Diablos. Mais le tyran à cornes sous le sable, on se le garde pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao, c'était Baderas. We'll be right back.